Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et dans sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu Tout-Puissant, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons le cantique Joie et Lumière. Joie et Lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Les textes bibliques de ce soir sont les psaumes 61, 62 et 64, 1 Samuel 21 jusqu'à chapitre 22, verset 5, et les actes des apôtres, chapitre 2, verset 22 à 36. Psaume 61. Au chef des chantres, sur instrument à cordes, de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge.
Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence, et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Psaume 64. Au chef des chantres. Psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent « Qui les verra ?» Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. 1 Samuel, chapitre 21. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélech, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélech « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit « Que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main ? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite, nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée ? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent « N'est-ce pas là David, roi du pays ? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant ? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ?» David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous ? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances ? Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» 1 Samuel, chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef.
Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla, et parvint à la forêt de Héret. Parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez. Et l'entendait. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, dans ce passage des Actes des Apôtres qui nous fait qu'entendre, nous trouve Pierre qui exhorte la foule le jour de la Pentecôte. Après que le Saint-Esprit vienne descendre sur les apôtres, Pierre lui lève pour expliquer la signification de cet événement extraordinaire.
Dans sa réflexion-là, Nepo examine bonne parole de Pierre et essaie de tirer bonne leçon pour nous la vie et nous la foi. D'abord, Pierre, il commence au verset 22 à 24, il commence en rappelant la foule, bon miracle, bon prodige et bon signe que Jésus fut accompli au milieu de tout le monde. Il soulignait que bon Dieu fit témoin de l'authenticité de Jésus par son bonne manifestation extraordinaire. Pourtant, malgré cela, Dimon fin livrer Jésus à un amour cruel, crucifié-li par la main de ban mécréant. Cependant, Pierre lui proclamait que bon Dieu fin ressuscite Jésus, fin délivrer-li de ban lien de la mort. La résurrection de Jésus, c'est une preuve irréfutable de son identité divine et de sa justesse et de la justesse de son bonne mission. Pierre continuait pour parler de l'accomplissement de la vision et des bonnes paroles prophétiques. Et il cite le roi David, qui fin prophétise la résurrection de Jésus. David les fin voir en esprit le Seigneur devant lui, qui est là pour protéger-lui et pour soutenir-lui constamment. Et Pierre lui soulignait que David lui participait pas de lui-même parce que son tombeau a toujours existé. Mais David lui donne une prophétie sur la résurrection du Christ. La résurrection de Jésus, c'est l'accomplissement de bonnes paroles prophétiques de David, qui finit réalisée selon la promesse de Dieu. Le Christ n'a pas fini laissé dans le séjour des morts, et sur la chair n'a pas fini connu la corruption, tel comme David s'en annonçait. Pierre lui continuait dans son discours en affirmant que lui et les autres, ses bons confrères apôtres, sont finis témoins de la résurrection de Jésus. Il dit que Dieu fin élève Jésus à sa droite et fin donne-lui son esprit, et cela pour accomplir son promesse. Et le Saint-Esprit fin être répandu aux bons apôtres le jour de la Pentecôte, confirmant la vérité de cette parole. David l'a-t-il prophétisé que le Seigneur fin dit lui que l'y pour assise à sa droite jusqu'à ce que son bon ennemi pour gagner mette sous ses pieds. Et puis Pierre lui fait cette proclamation extraordinaire quand il conclut son discours en déclarant avec force qui bon Dieu fin fait de Jésus, celui qui a fin crucifié, le Seigneur et le Christ. Sa déclaration-là, c'est l'apogée de son bonne argumentation. C'est une affirmation claire de la divinité de Jésus et de son autorité souveraine, le tout qui chose. Sa proclamation-là, il y en a une signification profonde et capitale. Il confirmait que Jésus n'est pas seulement un homme extraordinaire, mais qu'il est le Fils de Dieu incarné, le Sauveur qui t'ingagne promis, et le Roi des rois. En désignant Jésus comme Seigneur, Pierre lui attribuait à Jésus une autorité divine au-dessus de toute la création. C'est un titre qui rappelle la souveraineté de Dieu lui-même. Le titre de Christ, ou bien Messie en hébreu, lui aussi a une importance cruciale,
parce qu'il évoque une prophétie annique de l'Ancien Testament, annonçant la venue d'un libérateur divin qui pouvait nous rétablir le règne de Dieu et pour apporter le salut à son peuple. En désignant Jésus comme le Christ, Pierre lui a affirmé que Jésus accomplit sa bonne prophétie-là et réalise la mission rédemptrice qui Tipigane attend depuis des siècles. Il est important aussi pour souligner que le titre de Seigneur, qui est conféré à Jésus dans ce contexte, lui signifie Maître suprême. Et lui souligne son règne absolu de toute la création. Le titre de Christ exprime la consécration spéciale et la désignation divine de Jésus en tant que Messie. Nous avons deux références bibliques qui viennent soutenir sa proclamation-là. Dans son lettre aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9, l'apôtre Paul lui enseigne nous que bon Dieu fin élève Jésus au-dessus de tout nom et fin décréter que tout genou pour fléchir devant lui. Nous lisons ce texte qui dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et deuxièmement, dans l'Apocalypse au chapitre 19, Jésus est décrit comme roi des rois et seigneur des seigneurs, renforçant ainsi son statut souverain et universel. Apocalypse 19, verset 16, chapitre 19, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». En somme, frères et sœurs, la déclaration de Pierre dans les Actes des Apôtres, c'est une affirmation audacieuse et radicale de la divinité et de l'autorité incontestable de Jésus en tant que Seigneur et Christ. C'est un pilier fondamental de la foi chrétienne, soulignant que Jésus est bien plus qu'un simple enseignant ou un prophète, mais qu'il est le Rédempteur et le Souverain de l'univers. Alors donc, on nous fait un petit récapitulatif de sa bonne ce texte qui nous gagne. Pierre rappelle-nous que les hommes maltraitent Jésus, mais qu'il finit être justifié par Dieu. Il souligne ensuite l'accomplissement de la vision et de la parole prophétique de David. Il déclarait que la résurrection de Jésus finit être prophétisée et attestée par les apôtres. Et il proclamait enfin avec audace la résurrection de Jésus. Maintenant, quelles sont les applications pour nous? Après que nous analysons la bonne parole de Pierre, nous sommes capables de tirer plusieurs applications pour nous la foi en tant que chrétiens. Premièrement, la résurrection de Jésus lui confirme sa divinité et son pouvoir sur la mort. En croyant en lui, nous trouve l'assurance de la vie éternelle. Deuxièmement, nous capables, nous besoin reconnaître que nous la foi les fondée l'aubaine prophétie biblique qui finit accomplie en Jésus-Christ. Et cela vient renforcer nos confiances dans la vérité et l'authenticité de l'Évangile. Troisièmement, la proclamation de Jésus comme Seigneur et Christ exige une réponse de notre part. Nous devons soumettre nous la vie à son autorité et à le suivre fidèlement. Pour conclure,
L'exhortation de Pierre lors de la Pentecôte, c'est un rappel puissant de la vérité de l'Évangile et de la résurrection de Jésus. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à croire en la divinité et la souveraineté de Jésus et à vivre en accord avec sa volonté. La résurrection de Jésus offre-nous l'espoir de la vie éternelle en lui. Alors que chaque croyant, chacun de nous, capable de connaître avec certitude que Jésus est le Seigneur et le Christ. Comment est-ce que nous capables d'appliquer ce bon enseignement de Pierre-là à nous la vie aujourd'hui? Eh bien, nous capables d'appliquer ce bon enseignement-là en plaçant nous la foi en Jésus, en étudiant sa parole et en vivant d'après son bon enseignement. Et cela va nous conduire à une relation plus étroite avec Dieu en Jésus-Christ et à une vie de foi, d'obéissance et épanouissante. Que le Seigneur nous accorde ses grâces, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, nous disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons la série d'invocations B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans la voie de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur encore. Seigneur, puisque sans toi il nous est impossible de te plaire, que ton Esprit Saint guide nos cœurs et les dirige en toutes choses, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Prions et demandons
à Dieu de nous donner la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Priez pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de ta gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure en prenant la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et de votre participation dans cet office du soir. Nous nous confions à la bonté de Dieu. Bonsoir.